Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mon bureau. Et ça sera comment changer de COVID à une AGA, je sais pas trop quoi. Ouais. On allume ma Xbox premièrement là. Ma manette de TV, juste qu'elle est. Bon. En attendant que ma Xbox s'allume, je vais. Et ma Xbox est slow. Bon, on va quitter OBS là. Putain, j'ai deux OBS d'ouvert. J'ai fait des captures vidéo. Pourquoi tu capes à rien? Ouais. Ben, la fois, c'est ma console est en train de faire une mise à jour, là. Ça, c'est pas long. Elle fait des mises à jour des serveurs, fait que. Bon. Je rappelle ce qui peut pas passer de serveur. Bon. Et là, je vais aller. Non, je sais même pas si le micro marche encore. Ouais. Là, je vais aller dans. Jeu. Pas checker, ouais, si ma console est vraiment connectée. Bon, on va aller voir ça. Dash Lunch, on va aller voir si que ma console est vraiment connectée. Là, faites pas attention à ce que je fais. Bon, ça on va décocher ça. Là, elle devrait être connectée, mais dans le fond, rien vous prouver qu'elle est vraiment bannie là. Bon. On va faire un test de connexion. Bon, ma console est vraiment bannie. Fait que là, ben, on va changer de COVID. Vous ouvrez Neighborhood, par exemple, ça je pourrais pas mettre le lien dans la description, que ben, je sais même pour moi-même ce que je l'ai pris. Ah, nanana, Xbox 360, suivant.
Là, il faut l'adresse IP de la console. Vous venez dans configurer le réseau. Configurer le réseau, puis vous avez l'adresse IP qui est tout en haut, là, l'adresse IP, je sais pas comment dire ça, mon œil. Fais-moi pour moi, pour ma part, c'est 192, voyons, oh, hey. Bon, clavier est trop loin. 192.168.1.126. Alors, tu vous faisais suivant. Ah, quand même. Ah, c'est vrai, mon PC n'est pas connecté sur le même réseau. Bon, ben, excusez-moi pour ça, on va changer le réseau. Bon. On va connecter sur mon routeur. Moi, il parle déjà. Là. Suivant. Oui. Bon. Ouais, c'est maintenant pas ça, faut vous savez qu'il était sur le même réseau là. Fait que là, comme là, je vais faire suivant à nouveau et ça va marcher. Ok, on fait yes. On fait suivant. Terminé. Et notre console est là. Là, on va aller dans HDD. Puis là, ben, faut que je plug mon sel à mon ordinateur. Quasiment mes KV, je les ai mis dans mon sel. Ma souris est devenue fou. J'essaie de déployer ma clé USB. Plugger ce script. Là. Il attend que mon cell s'allume. Aïe aïe. Bon, non, ça s'est allumé. Ok. Fait là, le moment il devrait être sur PC, mais moi je vais ouvrir un autre document. Ah, tiens. Ouvrir. Bon. Ok. Moi, ça gosse qui est placé sur mon cell. Je vais aller dans Download. Et ici, vous avez 20 KV, je ne sais pas trop quoi. Bon. Vous aimez KV. Moi, maintenant, je suis déjà rendu au 5e KV, fait que je vais prendre le 5e. Si je me trompe pas. Je pense que c'était le 5e, je suis rendu. Bon, si j'ai un but, on va prendre le 5e pareil. Mais... Bon, et va glisser ça là-dedans. Là. On glisse ça dans la console. On fait oh, yes. On fait la petite flèche ici, refresh. Et voilà. Ben, le clavier est placé. Fait que là, reboot la console.
Bon, m'allume quand ça l'est déjà éteint. Ok. Ma quand ça est en train de s'allumer. Ouais, faut que je console. Bon, ça c'est normal que l'enfant avec un appui ça, là, que c'est mon console et puis qu'un dé. Fait qu'il fait le logiciel là, laguer. Bon, puis là j'ai pas l'impression que ma console est laguée. Mais qu'est-ce que je l'éteins mais je redémarre et ça prend pas autant de temps à démarrer d'habitude. Ce que je vais faire, j'éteins ma console puis je vais rallumer ça. Si vous voyez que votre console prend trop de temps à s'allumer là puis qu'elle fait aucun bruit, ça veut dire qu'elle ne s'allumera jamais, fait que moi je l'éteins puis je la rallume de nouveau. Désolé, j'ai écrit là mais bon. Ah ouais, une bitch de console. Tu sais rien, une console qui fait chier. Well, c'est vraiment slow. Mais là, je pense que ça va s'allumer. Ouais, comme là. Mais je pense que c'est comme là, mais il se réveille. Pas en gros. Ben là, il se réveille vraiment, là, parce qu'il est amené à le bruit qu'il a fait. Bon. Là, il est en train de rebooter, ça c'est normal, là, il est en train de changer de QV. Dans le fond, QV, c'est comme si que vous changez de console qui fait que. Ça éteint la console puis ça met sur une autre console dans le fond. Et ouais, si le son est pas trop haut quand ma console va s'allumer là. Ah, ok, parfait.
Bon, maintenant ça s'allume. Ça va se connecter d'où de serveur. Ça m'empêche, j'ai fait un. Bon. Alphabet. Ouais. Mais je vais vérifier de quoi. Bon. On va vérifier un dash launch. Install. Réseau. On va décacher ce site. Que je pourquoi ça me met automatiquement sur ma console. On va aller faire un test de connexion. Et moi, ça fait déjà 6-16 minutes que j'enregistre. Bon. Là, dans mon vrai, elle devrait y être des bannes. Ouais, tout est beau. Voilà, on a changé un clavier dans une console. Bon. Fait que. Il a montré. Admettons. Je vais connecter mon profil. Mais là, il va vraiment être dans mon base de nouveau, ça c'est normal. On va continuer. Moi je mets mon mot de passe. Non. Ouais. Je vais cacher ça au long de ma minute. Attends, comment je vais faire avec cacher ça? Bon. Là, vous voyez plus rien. Placer mon pause à me remettre là. Ok. Moi je vais tout à mon mes mots pause, ça fait ça que t'es. Bon, fait que là, je vais me montrer de quoi là comme. Je vais lancer mon jeu. Je vais lancer mon jeu ici de game. Game, toujours avec les. Je peux pas cliquer, bordel. Game, away. Allez, on va faire ça de nouveau, on va ouvrir ça de nouveau. Ok, ouais, il reconnaît même plus ma console. Pour moi, c'est plus la même adresse IP. Fait que là, ça, je vais faire. On va aller ici. Moi, je vais mettre JTag. Ça va bien plus vite. Puis là, vous faites suivant. Il la reconnaît. Fait que je fais yes. Suivant, terminé.
Ben, elle change de CB. Elle faisait HDD. Mangement game. Et je vais aller voir dans GTA 5. Ici. Et elle fait lancer le défaut. Et on peut gamer. Bon, ça c'est mon legacy. Ça c'est mon purge. Moi je fais custom command. Ok. Fait que dans le fond c'est ici que se termine la vidéo. Salut, à plus.